rencontre très fructueuse. On a effectivement, c'était un premier contact très enrichissant. On s'est présenté, on a présenté effectivement l'ensemble des membres du bureau exécutif et du bureau élargi qui est à côté de moi et derrière moi. Et après, ça a été l'occasion de présenter les principaux items du programme. On a insisté sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme le forum de l'emploi qu'on s'est organisé, le livre aussi du guide du Gabonais de France, qui est un point important, et effectivement la modernisation de certaines actions qui avaient été initiées, de façon à avoir, comme je l'ai indiqué à l'ambassadeur, un CGF moderne, modèle d'exemplarité et force de proposition. Et quelles sont les premières actions que vous allez mener à la tête du CGF? La première action sur laquelle on va travailler de manière très concrète, ça va être effectivement le forum de l'emploi que l'on souhaite mettre en place d'ici mi-2016. Donc il va y avoir une commission qui va être mise en place et qui va travailler exclusivement sur ce sujet-là, parce que c'est une préoccupation de nos compatriotes, l'emploi en France, l'emploi au Gabon, de mettre en relation les entrepreneurs, parce qu'il y en a. Donc il faut les identifier, les répertorier et d'un autre côté, la communauté qui a besoin de trouver un emploi. Aussi, on va mettre très concrètement en place une refonte du site internet du CGF, de façon à le rendre très attractif, lisible et avec des informations pertinentes que réclament